Jeudi, c'est vendredi 26 novembre 2021 et bienvenue au sous TV Lakay. Et c'est toujours avec même plaisir à nous rejoindre nous chaque jour. Jeudi, c'est 5e sortie nous pour ce maintenant et n'a pour remercier tout temps fanatique, amis, compatriotes, abonnez-nous. Et donc qui toujours été connecté sur canal ça, n'a dou merci pour patience et fidélité et merci pour confiance ou fait nous parce que ou choisi TV Lakay pour informer sur quelle que soit actualité en Haïti ou à l'étranger. Nous toujours là à bousquer, à chercher information pour nous porter pour vous. Ariel Henry frappé pays d'Haïti hier, Godet Blaise a été pété devant palais national pour comment yo ta ka et bien pénétrer en dedans palais et bien secrétaire palais national là. Et bien t'es empêché et avec agent USGPN t'es empêché pour Ariel t'es entré malheureusement et bien ça va te marcher Ariel et installé donc nouveau gouvernement li là et bien donc nous pas inviter gain en pile détail et puis gain Pierre Espérance qui lui-même sorti dans silence là et continuer frapper très fort surtout dans dossier assassinat président Jovenel Moïse là et bien qui gain Ariel Henry qui impliqué dans assassinat et gain tout. Et bien, PHTK en soi, Michel Matéli, tout un ex-aïe, même yo impliqué dans l'assassinat président républicain Jovenel Moïse. Et nous portons en pile détail pour à confirmation. On prend le temps de qui ça a passé dans la République. Bon, côté Pasteur Lucas, monsieur, comme toujours là, et bien, venez avec un pile preuve pour montrer vraiment comment PHTK. Et bien trahi conscience Jovenel Moïse et arrivé assassiné et je dis à la ben même PHTK et a comploté avec Ariel tout qui lui même fait partie des monde qui dans assassinat Jovenel là. Et ben c'est nèg ça là je dis à la qui gagne tout pouvoir dans mais qui gagne tout ministère dans mais. Et ben nous pral inviter tout détail pas oublier abonner avec canal là, partager vidéo à qui ton commentaire n'a tout dite dans micro Peterson Luc ça va. PHTK fin assassiné Jovenel, yo livré Jovenel et yo entendu avec Ariel pour chasser dans l'administration publique là, Jovenel. Yo connaît là où joindre de l'autre monde qui était dans le régime PHTK, devine dissident et avec l'autre monde, qu'on y a eu une feuille en entente avec Ariel ont encore qui chita sous gros intérêt et économique, non seul objectif pour être capable de bailler PHTK, pour être capable de bailler PHTK pour voir. Pour regarder dans le gouvernement ça, tout gros ministère, dans le intérieur, et PHTK avec Petit Dessalines, et finance PHTK qui contrôle, éducation PHTK, justice. Et CPHTK, et ministère des Affaires étrangères, CPHTK, etc., etc. Et donc, et PHTK a gagné le contrôle, c'est eux-mêmes qui ont gagné le contrôle du pouvoir. Il y a une raison qui fait qu'il a chassé Jovenel Moïse, il y a une raison qui peut être un poste et qui stratégique dans l'État. C'est pour continuer à banaliser la vie du monde, continuer à financer et supporter les gangs pour être capable de gagner le pouvoir. Mais deuxièmement, c'est pour vous évacuer, disparaître tout indice qui gagne sous et assassinat. Et c'est ça pour vous. Un monde qui a un groupe radio, les protéger et par la primature. Et il y a un monde qui a un groupe Joseph, les protéger par la primature. Et de temps en temps, il y a un rencontre avec vous. Et c'est ça que fait tout et juge qui travaille sur le dossier, lui est gagné pour inviter Ariel entre 3 bon et 10 novembre avec tout avec ancien et ancien directeur général de la police à Léon Charles, et bien, et monde autour qui n'a entouré avec Ariel, nous chita avec juge là, nous entendons. Et il y en a un monde qui démarche tout bagage ça, c'est Bernard Saint-Ville, doyen. Donc, pas d'instruction qui a mené sous l'assassinat qui fait toujours de Moïse, c'est arrangement qui a fait. Je ne peux pas prendre nous en rien. Ça n'a pas vu aujourd'hui en Haïti. Et insécurité, corruption, banalisation de la vie du monde, gang institutionnalisé. En un pays, instrumentalisation institution créée l'État, c'est le résultat gestion PHTK fait des pays pendant 10 ans sous pouvoir et PHTK et fait assassiner Jovenel.
Et là, au fin de mes journées, qui sont au fait, moun qui proche PHTK, qui est famille, qui est occupé, moun qui est dans le régime PHTK, qui est occupé de gros fonctions dans l'État, qui est famille, qui est impliqué jusqu'au coup, non, planification et assassinat, coordonner assassinat, exécuter ces crimes-là, et yo, je les dis, a occupé des gros fonctions dans le régime de facto et Ariel là. L'autre réaction sous formation ou remaniement gouvernement Ariel Henry, ancien sénateur Steven Benoit, lui-même, lui considéré formation nouveau gouvernement ça comme une troisième version PHTK qui sous pouvoir, ancien parlementaire qui continue plaider guerrier pour une transition coupée, fâché, rappelé gouvernement ça pas là pour trop longtemps. Steven Benoit qui reproche certains opposants PHTK qui a collaboré avec la même équipe et si là, il n'a pas combattu. D'un côté, ancien sénateur, là, dans le micro, Wenchel Alguien. Nous-mêmes, nous constatons notre tête nationale pour trahir son coupé fâché. Constat, nous-mêmes qui dans Montana, nous avons fait constat. C'est un régime PHTK, troisième version qui a continué. Il y a PHTK 1 avec Mandeli, il y a PHTK 2 à Dounel. Il y a PHTK 3 avec président slash premier ministre, parce que c'est fait tout. Il y a tous les deux rôles là pour là, sans contrôle, sans parlement. Donc c'est PHTK troisième version améliorée. Comme c'est le même régime depuis 10 ans qui a pillé PIA, donc pas rien, nous-mêmes, nous attendons plus que pillage. Crime, dilapidation des fonds de l'État, corruption sur toute la ligne. Donc, nous-mêmes, c'est marque fabrique PHTK. Donc, petit TIG, c'est TIG. Donc, petit PHTK, petit Mateli, petit Jovenel, c'est Mateli, c'est Jovenel. Donc, nous-mêmes, nous ne attendons pas rien de plus qu'un régime qui va continuer à faire ça. PHTK fait depuis 10 ans, qui s'est pillé fonds de l'État. Fait corruption sur toute la ligne. Donc nous-mêmes nous n'attendons parce que nous connaissons de toute façon son régime qui pas prêté. Le régime n'a mouru, c'est battre la batcole avant de mourir net. Donc les populations, ouais, population, ça pas fait population ni chaud ni frais. Population, ouais, son régime qui n'a bout de li. Donc tout le monde n'attend pour nous qui le régime a couché sous dos pour tout mourir net. Mais son régime qui mourra. Hein. À toute chose, mon bail qui bon. Décrétation finale là, a fait. Population a pris compte de qui est tout bon qui était en répété transition rupture et qui moun qui était venu, qui était écrit sa transition de rupture là, qui était défini et qui campait derrière. Nous-mêmes, notre transition pour fâché à Babli et nous avons proposé son transition de rupture depuis 2 ans, qui était présenté par la nation. Nous avons eu un monde qui était venu, c'est pas nous-mêmes même qui était venu avec la transition de rupture là. Donc nous-mêmes, nous avons nous écrit, nous défini, nous expliqué et Babli et nous avons pas de départ donné, nous continuons à pas de départ donné à toujours, nous continuons. N'a pas de transition coupé fâché, transition de rupture. C'est nous croyons dans ça la dia et n'a fait ou pas pour nous même dans tête non non gouvernement ça. Donc moun kale yo nous dit bonne chance et gain là de même nous cap même dit yo bon appétit parce que nous connaissons son partage de gâteau lié yo mettre dégager yo. Mais nous même nous était accroché à accord de Montana, nous pensons c'est lui qui solution pour pays a. C'est accord ça lui même qui bon vision claire et net pour côté Haïti doit aller, c'est à travers une transition de rupture. Et nous même n'a continuer faire travail nous comprendre population pressée, nous comprendre que accord Montana prend temps pour y arriver dans ce processus là, mais nous pas loin. Nous pensons d'ici 2 semaines accord Montana a privé a abouti dans ce processus là. Donc il n'est que d'attendre, mais nous même dans ça fait il a pas ébranlé nous ça fait jodi à la ouais bon mais pas les primatures ça pas ébranlé nous non plus. Nous même n'a continuer travail pour d'ici 2 semaines pour nous porter la bonne nouvelle bay population. Réaction après formation nouveau gouvernement. On a téléphone, guerrier, nous parle au jeune Dr. Schiller Ludor. Dr. Schiller Ludor qui a parlé jusqu'à présent. Nanon Kadora qui c'est collectif ancien député opposition et allié. Oui. Schiller Ludor, bonjour. Oui. Allô, bonjour. Allô? C'est un problème technique. Allô? On a changé de stratégie. Et... Allô, Sheila Ludor? Oui, bonjour, bonjour. Bonjour. Oui. Là, nous... Bonjour, bonjour, guerrier. Je salue Wakapil Respect. Je salue Pierre Ronel. Je salue Bob. Je salue tout le personnel radio.
et permettre de saluer tout auditrice et auditeur, tout internaute, et permettre de saluer rapidement toute ma famille Lavalasse, petite des Salines, AAA, Fusion, toute partie politique, je permets de saluer. Et merci en pile, merci Guerrier, Bob, Pierre Renel, merci pour l'invitation. Je veux dire là, il y a une nouvelle équipe qui est en tête payant, en tout cas dans le gouvernement Ariel Henry. Il y a plusieurs personnalités qui rejoignent yo et parmi yo de membres de l'opposition, ça côté bon côté yo à bataille ou même puisque vous faites partie de Kadowa. D'abord, est-ce que Kadowa n'a pas gagné membre représentant le gouvernement ça? Quand on se situe au même par rapport à l'équipe ça? Donc, premièrement, laissez-moi vous dire, mon frère, mon ami, ce qui s'est fait avant-hier, soit avant-hier, ce gouvernement, c'est un gouvernement de la honte. Un gouvernement de la honte, un gouvernement qui montait à l'insu, en dehors de toute principe démocratique. Un gouvernement qui monte, non seulement c'est un gouvernement de la honte, mais ce gouvernement qui vient une fois de plus pour appauvrir la société. Hein. Et c'est un gouvernement qui trahit tout objectif bataille que le peuple a fait, que militants, que tout le monde fait dans la rue pendant plus de 5 ans. Et vous pensez que c'est le gouvernement de l'incohérence, c'est l'inacceptable. Et comment expliquer ça avant-hier. Et Carrier, Pierre Renel, Bob, mes frères, ancienne opposition mettait un pile monde dans la rue qui tape vos mains. Il y a une trilogie que nous avons toujours appris et respecté, à savoir une transition de rupture, la conférence nationale et un changement de système. Je vais me poser des points question. Vous me dites. Tout ça nous t'a dit dans l'opposition et t'a boumé contre Jovenel Léo, contre corruption, contre vol, contre gaspillage. Qui ça qui fait que qu'on y a des gens dans l'opposition qui a rejoint PHTK, qui a rejoint Jovenel et qui a formé le gouvernement? C'est la question que je me pose. Et dans l'opposition, nous t'a gagné un bagage que nous t'a dit. Nous avions dit. Nous voulons un changement total. Non, ça n'a pas fait là. Nous voulons transition pour effacer côté 1. Pour mon ministre, il faut une feuille de route. Il faut une transition pour nous définir une transition de rupture. Pour qui ne sont pas le ministre, pour qui ne sont pas le directeur général et qui ne sont pas réglés pour la population. Nous avons dit que c'est fini cette affaire de négal ministre pour faire comme. Négal ministre pour faire l'argent pour partis politiques. Négal directeur général. Nous avons dit qu'on allait budgétiser même les organismes et autonomes. Monsieur Ludo, oui. Nous avons l'équipe ça, les fait monter, comment nous sommes capables déjà de mettre notre tête nous que nous là pour faire comme. Parce que quand même, il faut que c'est le monde qui pour intégrer le gouvernement, pour savoir dire là, ça va prôner au fait. Ce qui base, depuis qu'il y a là, nous pensons que vous nous avons là pour faire comme. Ça nous a dit, et moi, mon opposition dans le gouvernement. J'ai entendu des leaders de l'ancienne opposition qui ont dit nous chita avec Matéli, nous pas d'accord que Matéli prend toute portion, pas nous chita, pas ça, on te dit, mais ils n'ont pas d'accord que Matéli prend toute portion et que faut qu'on partage équitable. Guerrier, mon frère, Pierre Renel, nous pas dit que nous avons un partage gâteau. Nous t'es décidé dans l'opposition que cette affaire de partage gâteau, c'est fini. Nous t'es dit pour le militant qui mourit, qui prend balle. Voilà le monde, qui ont assassiné. Nous pas pral dans partage gâteau, nous pas pral dans séparer et pourquoi. Nous pas pral dans pouvoir. Mais comment t'as fait arriver à atterrir ça, nous t'as prôné, si nous pas intégrer l'État? Intégrer l'État. Mais c'est pourquoi faire? C'est là le problème, oui. Pour qui ça pour mon intégrer l'État qu'on y a sous par vos transitions, coupé fâché à toute ancienne pratique qui était qu'on fait. Et comment on peut le matérialiser, transition coupé fâché ça? Comment on peut le faire? Voilà, c'est bien.
une prise de pouvoir concertée. C'est pas une prise de pouvoir qui fait de façon illégale et sectaire. Quand je dis illégale, Ariel Henry n'est pas un premier ministre. Ariel Henry, c'est un occupant illégal de la primature. Monsieur, attendez, l'opposition nous a dit, à partir du 7 février 2021, nous ne pouvons pas reconnaître Ariel comme... nous ne pouvons pas reconnaître Journal comme président. C'est ça, oui, l'opposition a dit. À partir du 7 février 2021, Jovenel Moïse n'était plus le président d'Haïti. Et en conséquence, tous les actes posés par lui, ils ont été nuls et sans effet. Comment on est fait pour que Jovenel nomme Ariel que Rapidoire propose à Ariel monter tout à Jovenel Moïse pour 7 février 2021, ils ne peuvent pas reconnaître Jovenel comme président. Deuxièmement, n'a pas aller plus loin. Donc on dit clairement Michel Martelly, PHTK, Jovenel, ils ont craché PIR et toute décision à bras catabran qui ont quitté prend, ils n'ont pas Jovenel là, ni Martelly, c'est eux qui mènent PIR là. Et l'opposition nous a dit, et pourquoi ils ne sont pas oubliés, non mes amis, et pour dire qu'ils ne sont pas oubliés. L'opposition, bon, mon député qu'on pilote dans l'opposition, tout le monde devrait être dans l'opposition, hein? Cohabitation. C'est pour nous, mais non, ça pour l'opposition, on veut être y compris moi-même. C'est pour du dialogue. Donc, toute proposition plus levée sous le dos, ça qu'elle fait là qu'on y a, il n'y a pas plus de cohabitation. Et pour quoi faire? On n'est pas d'accord. On parle de bagaille aberrant. Faut ne pas oublier que l'opposition participe et gourmet, et moi-même, moi endossé, moi d'accord, et jusqu'à présent, pour lui, nous l'autre pays, nous faisons pile manifestation parce que nous disons. Nous ne sommes pas d'accord que Gaza ait monté le prix Gaza. Je comprends assez mal comment on est dans l'opposition fait chita devant Ariel, pourtant Ariel a parlé que le poil monter Gaza et pour d'accord. D'ailleurs, laissez-moi vous dire, moi je ne suis pas d'accord. Je suis contre toute augmentation du prix du carburant à la pompe. Pour deux raisons. Premièrement, le Ariel dit que l'État finance Gaza et fait déficit. D'accord. L'État finance subventionnel, oui. L'État fait déficit. Mais premièrement, vous allez vous comprendre. C'est dans comme l'État, comme pays, dans le budget, dans comme que vous n'avez pas utilisé à bon escient, un, ils ont subventionné Gaza. Parce qu'ils ont mis pour haute intervention, parce qu'ils ont mis pour faire climat sur l'âge pour manger, parce qu'ils ont mis pour la présidence manger, et c'est comme ça que financer. Le Yonet dit que quand Gaza vend 3-4 $ aux États-Unis et dans l'autre pays, et qui équivaut à plus de 60-80 $, on les attaque à subventionnel, on va le dire au bagaille. C'est la seule subvention pays, ça, nous nous joignons, haïtiens et peuple à joindre, subvention Gaza. L'autre pays n'a pas subventionné Gaza pour eux, ils ont subventionné l'autre bagaille pour eux, par exemple. Ils ont des fonds de fer. Ils ont pas au caille. Là, on peut travailler, on va au manger, ils n'ont pas au col. Mais nous payons un pays qui est totalement appauvri, que le peuple, le peuple sait à quel point se voit. C'est dit actuellement qu'on a bénéficié. Je pense que c'est gravissime pour le gouvernement de augmenter le prix Gaza. Pas d'accord. Pas d'accord. Et je pense que nous sommes dans l'opposition qui est sorti, qui est fait manifestation, et qui connaît à allier Ariel Henry pour cautionner l'augmentation du prix Gaza à la pompe. Non mais au boss il y a qu'un dedans et puis deux en même temps parce que collègue si sur une équipe là donc il est obligé après l'assumer tout ça le gouvernement fait. Mais le discours après le changer carrément. Quand des anciens gouvernements c'est pour qui ça? C'est le problème dans la question à se poser. Tous les gars du gouvernement ça il y a le seul pour trois bagages. Premièrement il y a préparé l'élection parce que en plus là au candidat pour député pour sénateur pour président pour magistrat. Deuxièmement, il y a un pays de santé économique. Troisièmement, c'était des alliés de PHPK en Soudine qui rejoignent Kayo et qui trahissent bataille masse. J'ai beaucoup de respect pour mes frères de l'opposition. Écoutez, moi je vais vous dire honnêtement, je ne suis pas d'accord qu'on est en radio ni en public pour dénigrer nos frères, nos camarades de l'opposition avec qui nous passions un pile temps ensemble et nous faisons pile effort, nous faisons pile bataille. Pas bien aucun propos malodorant à l'endroit de mes frères de l'opposition. Mais laissez-moi les dire ce matin, ils se sont errés, ils se sont fourvoyés. Bataille n'ont été faite contre un pile monde la saline mourir, un pile
soldats ont mouru, en pile militants prend balle, en pile monde handicapé, nous pas seul pour dans le passage gâteau. Nous t'appelle au nom de cette trilogie transition de rupture, conférence nationale, changement de système. Nous t'appelle pour nous dire, faut que le Jovenel pas là, il faut un audit à un organisme indépendant de l'administration publique. Nous t'appelle, il faut un audit de la CAE, d'Hermalogue. Pour qu'il ça audit ça, parce que nous dit 4 places au 4 nous, ouais, nous connaissons qui est fait dans de mauvaises conditions. Voilà ce qu'on avait dit. On n'avait jamais dit qu'on va intégrer le gouvernement pour nous faire comme au détriment de la population. Mmh. Nous t'avons dit qu'on ça que faut que 5% monde qui est 95% richesse payant, faut ça inverser. Et nous t'avons dit qu'il faut un autre système électoral. Pas un gros c'est pas pour le système électoral pour des nègres qui sont malades d'élection. Toutes les crises que le pays a connues, ce sont des crises pré- et post-électorales. Quand vous parlez de l'élection, là qu'on y a, ou des leaders qui sont dit élection, qui n'ont pas parlé de conférence nationale, de transition, qui ont parlé d'élection. Quand vous parlez de l'élection qu'on y a là, ce n'est pas un nouveau système électoral. Pour qui ça? Pour nous dans l'élection là pour députés, pour sénateurs, il faut gagner au moins 3, 4, 5, 6 millions de dollars côté poubelle dans drogue. Dans le kidnapping, dans le volet ou bien dans l'État. Il y a un jeune qui est l'idée, il y a un jeune qui est formé, qui veut intégrer l'État et qui veut dans l'élection, participer de la gestion de la chose publique. À qui ça va dans l'élection, à qui système corrompu ça. À qui ça va dans l'élection, à forme d'élection que nous avons là. Deuxièmement, est-ce que nous avions un problème d'élection dans ce pays? Non, nous n'avons pas un problème d'élection. Nous avons un problème de bonne gouvernance, un problème de gestion de ce pays, un problème de monde qui n'a pas de pas de colonne vertébrale, qui n'a pas de monde qui peut gérer le pays. Voilà le problème qu'on a dans ce pays. Mais l'élection, il faut qu'on fasse, puisqu'il faut qu'il y ait des mondes qui ont une légitimité qui pour intégrer le système là quand même. Maintenant, ça, nous, et là, mon frère, mon ami, je voudrais vous dire une chose importante. Ce ne sont pas des élections qui garantissent une démocratie saine, équitable. Ce sont de bonnes institutions, des institutions fiables, des institutions solides qui garantissent l'avenir et la vivacité, la férocité, la ténacité d'une démocratie. Or, qui plus gros problème nous avons là, nous avons les Nations Unies avec Madame Lalim, raciste de première heure, il y a un monde qui finit à payer. Qui occupe le pays depuis 2004 et avec un budget de plus de 22 milliards de dollars qui passent dans les Nations Unies, ils ont déjà pillé le pays, ils ont grâce à toutes les institutions dans le pays, ils ont dit nous pas monde, c'est ils ont fait des dirigeants Jean Oblé. En 2010-2011, on se souvient de l'élection de Michel Martelly. En 2016, encore la réédition de PHTK au pouvoir. Nous, ouais, c'est l'international qui est métal. Pour qui ça n'a pas le côté d'être dans des élections frauduleuses, élections mal faites, élections piquées-collées, élections graines-souliers, élections chatouelles, alors que c'est chaque élection ça y est au fait qui paye des dirigeants qui pas légitimes, qui pas légales et qui crée une crise ça y est. C'est pour ça que nous sommes courus dans l'arrière, nous sommes courus dans l'opposition, nous sommes très forts, nous sommes courus. Ou même pour nous dire tout volume avec moto, que moto est crasé, que moto est boulé. Faut que notre transition nous dédommage avec ça, nous parlons avec eux. Nous disons que notre transition de rupture, ça, c'est une transition dans laquelle nous parlons poser les fondamentaux de cette démocratie dont je parle. Nous parlons parler d'un pays comme nous parlons de pays. Quelle voie on va prendre? Je parle de voie VOIE. On va prendre pour résoudre les différents problèmes qui rongent le pays. Comment nous parlons de jeunesse à quitter le pays à aller? Comment nous parlons combattre la prostitution? Comment nous parlons combattre toute bagaille, le chômage exagéré, la corruption, le vol qui gangrène l'administration publique? Et mais c'est ça que nous t'ai dit. Nous t'ai dit ça pas fini, guerrier. Question également, on a prêté 800, 700, 600 millions de gouttes ou pas jamais remettre ONA. Quand il y a l'on est dit, vous venez directeur ONA, vous venez dans BEMPAD, vous venez dans la finance, vous venez dans la planification, vous venez dans le ministère des Affaires sociales. Où est la feuille de route? C'est pas le problème d'être ministre. Être ministre, quoi faire? Est-ce que c'est ça nous t'a gommé, là nous t'a fait 5 ans? Ou bien ma balle de bagaille? Est-ce que c'est Jovenel, l'opposition pas de ouais? Ou bien est-ce que effectivement l'opposition voulait changer quelque chose? Moi, j'y crois fermement.
mes frères de l'opposition, ils voulaient changer quelque chose. Eh bien, mes frères de l'opposition, si effectivement vous aviez voulu changer quelque chose, la voie BOIE que vous aviez empruntée, c'est une mauvaise voie. Voie nous prend là, c'est voie pour aller renforcer PHTK. Voie nous prend là, c'est voie pour aller cracher sous cadavre, volume monde que Jovenel assassiné par l'intérêt. Voie nous prend là, c'est voie pour aller piller l'État pour plus. C'est pas voie pour changer pays. Voie nous prend là, c'est voie pour aller cracher sous cadavre, mon Bel Air. Cracher sous cadavre, mon La Saline, mon Okaï, mon Tifa qui mourit. Les prisonniers politiques gagnés. Nous t'ai dit. Nous pas dans aucun accord, et c'est ce que j'avais dit. Pas de aucun accord qui doit faire sans libération de Anel, Kilik, Job, Papas, Apollo, Naokas, et Tibécan, Jean-Denis, tout ce qui est en prison, Gary Filémon. Mais ça nous détruit. Nous entrons dans un bon accord, nous faisons un bon bagage qui tourne à quoi pour que chaque tégal propose, chaque tégal puisse prendre notre gâteau, et puis prisonniers politiques doivent couper en prison. Docteur Lido. Alors que si nous te posons ces conditions pour les prisonniers lagués, avant que nous chita parler à n'importe qui monde, dites international là, je vous assure, mon frère, que prisonniers, ils ont pas relâché déjà, ils ont pas trouvé 100 millions, ils ont pas trouvé liberté. Ouais. Tout ça qu'a fait là, c'est pas ça que c'est décidé dans l'opposition. Docteur Ludor, il y a un autre monde qui est capable de dire tout, voix qui prend là, c'est voix tout pour Jovenel Moïse, pas joindre justice. À partir de gens qui ont présenté le gouvernement, ça a d'ailleurs qualifié le gouvernement de la honte, qui sa pays a capable d'attendre de gouvernement ça, comment penser que le bras fini? Est-ce que là, pour même nous partir encore pour une nouvelle crise, pays a pendant longtemps là, pour le continuer, il y a un problème? Non, mon cher, nous attendons seul bagaille. Yon classe de nouvelles de nek qui pral faire plus comme un groupe moun qui pral riche, un groupe moun tout qui pral pour santé économique pour aller dans l'élection, société qui pral pauvre, kidnapping pral augmenter. Et quand je parle de kidnapping, permettez-moi à mon frère d'avoir une pensée spéciale pour toutes les femmes qui sont violées, kidnappées, parce que hier c'est la journée internationale contre la violence faite aux femmes. Une pensée spéciale pour toute femme qui souffre de kidnapping, de viol, d'assassinat. C'est kidnapping dans le pire, c'est viol qui va augmenter, c'est sans rien, c'est pauvreté, c'est misère qui va le plus. Parce que le problème d'Haïti. Et devant une situation comme ça, devant une prévision comme ça, docteur Ludor, on a besoin encore sous béton pour manifester, pour dénoncer et critiquer. Je vais vous dire un bagage important. Je regrette que mon ami Bob n'est pas au studio ce matin. Parce que vous connaissez deux sont, j'admire le trio. Et permettez-moi avant pour nous dire, avant de répondre aux questions, pour nous dire, comme des deux dit, dès le début de l'interview. Je suis le capitaine, les Bob, Pierre Renel et Guerrier, par là, pour nous dire, comme vous constatez, semaine passée, je suis ça. Semaine passée, il n'y a rien, pas de gaz. Vos kidnapping enragé. Aucun monde n'a pas sauté. Et puis, il y a trois nègres qui relaient Bob C, qui relaient Guerrier. Qui est Pierre Renel, chaque matin, 5h du matin, avec une radio à Baye Nouvelle. Ça, c'est pas bagarre rejoindre pour ça. C'est pour ça qu'il fait chouette tailler. Et demander sociétaire pour prendre note pour tous les journalistes, pour qui gagnent journal à 6h, 7h du matin. Ils sont nombreux dans Ibo, dans l'autre radio, 4 Baye et dans RFM, dans toute radio, Radio Timoun, toute radio 4 Baye Nouvelle à 5h, 6h. Le journaliste levé 4h du matin, pas de gaz. Insécurité, nous pas qu'à quitter ça passer sans pas battre gros bravo. Mais ça parle national là, je dis, c'est est-ce que je dois un remaniement? Est-ce que je dois relayer des nouveaux monde qui rentrent dans le gouvernement? En tout cas, bon, accepter les remaniements, comment vivre les. Il y a un remaniement. C'est ça. Dans le langage technique, démocratie, il y aurait l'État autogolpé. Autocol PA sont forme de coup d'État, côté ou utiliser institution l'État pour faire coup d'État. Et premier côté, Autocol PA a été fait sur le PU, après ça a été fait en Russie tout avec Boris Yeltsin. Et ça n'est que faire, il n'est pas légal, il n'est pas constitutionnel. Parce que l'organe est arrêté à conformer à l'article 149, il n'est pas rempli les conditions pour changer le gouvernement. Donc, ça que fait là, son autogol péquelier, donc son coup de force, son coup d'état péquelier. Ça dit son coup d'état.
avec du utiliser institution l'État pour faire quoi? C'est mon dans l'État qui institue. Par exemple, président Fujimori, il était pour autogolpé. Et en Russie, avec l'époque Boris Yeltsin, il était pour autogolpé contre lui-même. Donc, ça, Ariel Henry, avec qui tel fait, il y a deux mondes qui n'ont pas autogolpé qui fait. Et je dis, hein, c'est Ariel Henry avec auto, avec l'Itel. Donc, ça fait là, il n'y a pas un remaniement. C'est un coup d'État pour mettre en place une coalition d'assassins. Dans la coalition d'assassins, ou bien oligarques. Non. Dans la monnaie, on remaniement, mais mon yon installé jodi a quand même. Mais regardez Jean-Claude a quitté Palen, Claude Joseph a quitté ministère des Affaires étrangères. Ça dit tout. Bon, c'était à prévoir parce que non, yon évoqué déjà, mais Samuel, les gens l'a quitté ministère des Affaires étrangères comme si c'est. Moi, pas voulu dire c'est pour la première fois, mais à quel il y recevoir, l'a quitté comme si Jean-Employé et apprécier les gens employés accompagner Claude Joseph pour quitter le ministère des Affaires étrangères. Côté Samabdou, et garder le ministre de la Justice quand il a parlé dans l'installation qui a fait dans le palais national, comparé avec Claude Joseph là, où est-ce que c'est des assassins qu'on voit qui inquiètent, et puis on l'autre voit, où est-ce que les consciences populaires, les consciences pays à côté lié. Pays a connu que il pas un gouvernement tout bon, son coalition d'assassins qui est dans le pouvoir. Et dans la coalition d'assassins, il y a à peu près 6 composantes. Et c'est pour ça qui est important pour nous expliquer le peuple, les composantes qui sont dans la coalition d'assassins qui sont au pouvoir. D'abord, l'agent, il y a question de vidéo qui met le système. Nan. Ou bien tête PHTK, particulièrement Michel Martelly. Ou bien SDP, André Michel, Rika. Avec Ousmane Gadel. Non, on est sous Michel Martelly. Okay. Sors reposer Michel Martelly. Il est rentré dans la coalition d'assassins, dans le pouvoir qui mettait en place là, clairement. Donc, ça veut dire que, au lieu de répondre à une question sur Salta Chita avec Ariel Henry, l'effet même que lui fait forcing ça pour mettre Josué Pierre-Louis comme secrétaire général du Palais National, pour mettre Généus ministre des Affaires étrangères, pour l'entrée dans la coalition d'assassins, hein, l'éclair que président Michel Martelly, dans l'action qu'il posait, a craché sous cadavre de Jovenel Moïse. Radio et c'est confirmé qu'il est dans la coalition d'assassins hein, avec SDP, avec Petit Dessalines, avec quelques drogues dealers et gangs qui sont dans le pays. Donc, coalition d'assassins, hein, il y a 6 composantes là-dedans. On allait. Premier composant plan, après Baoul encore, oligarque Pétionville, les Réginal Boulos, les Dimitri Vop, ouais, comment Dimitri Vop mettait avocat au Généa et comme ministre de la Justice, son forme d'arrogance. Mais non seulement il y a président, il y a craché sous cadavre président, mais il mettait Beto Dorsé, qui impliquait non pas cette bagaille, c'est monsieur Omettel comme ministre de la Justice, comme avocat au Généa. Il montrait clairement qu'on forme d'arrogance, c'est oligarque qui a monté. Son tinec doué qui est autouillé, son tichin. Et président de la République n'a pas représenté rien pour vous. Institution la présidence du pays n'a pas rien pour vous. Vous avez craché sous lui. Donc, dans la coalition d'assassins, dans cette vie, ou bien oligarque Pétionville, ou bien cette PHTK, particulièrement Michel Martelly, qui entre dans la coalition d'assassins, clairement, ouvertement, lui a affiché, il n'y a pas de problème. Petit Dessalines là-dedans, et il clair que, dans l'interview que André Michel fait, lui confirmer qui tel, c'est représentant Maurice Jean-Charles dans la coalition d'assassins. Donc Maurice très à l'aise dans la coalition. Ou demain matin, il dit parce qu'on est dans la coalition ça, et où je vois l'unité. L'unité au fond dans tous les présidents, il y a une coalition d'assassins sans problème. Et pour quelques droits de leur et quand on est dans le pays qui est dans la coalition ça. Donc je dis à un bon gouvernement pour gagner dans le pouvoir. Après coup de force là, son coalition d'assassins qui est lié. Comment ça s'est passé dans le niveau palais national aujourd'hui? Radio Omega. Bon, ça c'est loyal qui est docteur, ou bien ça a eu les symptômes. La majorité pays, ça veut dire que souvent la fièvre, tout le monde fait des bagailles, mais qui maladie pour souffrir. Le pays a une maladie très claire depuis 7 juillet, que le pays n'a pas accepté. Que des assassins qui rentrent quand on est président de la République. La présidence de notre pays, ce n'est pas Jovenel Moïse.
c'est nous-mêmes haïtiens qui la présidence de notre pays. Les autres présidents, les gens qui ont sang sous pays, sous l'histoire pays, qui ne jamais passer. Donc, chaque fête-là, le 7 juillet, eh bien, son tassant qui vient tomber sous pays, qui mettait tout le monde mal à l'aise, qui est tellement mal à l'aise que le peuple a sorti le marais colombien. Donc, chaque passé dans le palais national, là, faut pas étonner, on dit. Et même pas prêcher violence, mais c'est ça qui arrive dans la République. C'est ça qui arrive dans la République du Congo. C'est ça qui arrive. Parce que ça n'a pas vivre là, il y a l'autre pays qui vit là. Et pour ça, m'a répété là. Faut pas étonner, on doit y aller après entrer dans la primatia. Même genre, faut pas étonner que Josué Pierre lui a rentré dans le palais national. Parce qu'il n'y a pas rien de légal et constitutionnel. C'est des assassins qui viennent tous les présidents et ils prennent pouvoir. Non. C'est des menaces, c'est Stanley Lucas, c'est des menaces, c'est des analyses, c'est. Expliquez-moi comme si là, rien plus clair. Regardez ça qui est arrivé dans la République du Congo. Comment vous allez? Radio Omega. Parce que devons entrer dans un système d'assassins. Parce que ça n'est qu'il y a mon trou là, il n'y a pas fiché pays. Qui ça n'a pas fiché dans le pays? De vous gagner Zam nan mon ou ka tuer, c'est nan mon que pouvoir pral. Mais vous tuez le président le 7 juillet, et puis c'est vous-même qui finissez le président sans qui prend pouvoir. Et il n'y a pas fiché avec arrogance, mais vous finissez le président, vous montrez vous cracher ce cadavre-là. C'est ça que vous faites aujourd'hui, dans l'installation coalition d'assassins. Peuple haïtien par la dent, dans sa cap fait aujourd'hui. Peuple pas dans coalition d'assassins. Et c'est pour ça, match cap joué là, n'est-ce que vous 100 mètres. Dans 100 mètres là, il y a un marché pressé. Et je vais expliquer pourquoi il y a un marché pressé. Le 7 juillet, les nègres qui sont tous les présidents, ils devaient prendre le pouvoir dans la même joie. Et puis tout le bagage est fini. Pour que tout le bagage est fini, tu as fini le 7 juillet parce que pas de bien constat, pas de bien enquête DCPJ, pas de bien enquête commissaire Bedford Clot. Le fait que le peuple a sorti le 7 juillet, les marées colombiens, et peuple a cherché les gens qui sont les présidents, ils viennent changer la dynamique. Là. Et constat que le président est en fait qui permet un paquet d'éléments. Les nègres ont saisi devant le constat qui fait ça. Ou les nègres ont fabriqué une nouvelle. Ils ont fait 40 000 dollars et ils ont fait le président qui a 40 millions de dollars. Ou ils ont fait des diversions que les nègres ont commencé à faire. Après ça, ils ont fait deux fois, fait deux trois qui ont réglé. Ils ont marché. Tout le monde a commencé à la vérité. Rapport de CPJ a vu sortir rapport 800 pages. Là. Méthodiquement, scientifiquement, techniquement, non, Ariel Henry dans le rapport, non, c'est l'oligarque dans le rapport, mais qui n'est tous les résidents. Et vous venez plus ou moins clairement, mais quatre composantes qui sont tous les résidents, composantes financières, mais qui n'ont pas sous mais qui moins que le peuple a identifié, les Dimitri Vob, les Réginal Poulos, les Samy Andal, les Odor Jacques et l'autre nom que nous avons dit devant. Deuxième composante, dans la composante sécuritaire, le peuple a été en marée et 18 ou 24 Colombiens, je ne sais combien. Combien lié, il y a un marié tous et policiers dans le palais, où le juge d'instruction a un petit additionnel qui m'a arrêté. Et dans la composante sécurité, Antonio Palacio a fait étranger, a fait pression pour arrêter, où est comment Negio avec Oliga qui a fait qui s'en coule partout dans la Haïti, en Colombie-Calais. Sami Andal, il a arrêté l'antique, trois policiers qui ont arrêté, Negio, Matelimé, ton ministre a fait étranger, il n'a pas fait Sami Andal tout dans la Haïti, parce que Negio prend un miracle. Et dans la composante couliale et politique, là, nous venons voir clairement toute composante politique qui participe dans tous les présidents. Unité très claire, Ariel, Badio, Jean-Joël Joseph, Dimitri comme gros financier unité. Et nous, la composante politique là, Wall, CPHTK, vient très clair, Junior Josia, dans participer dans tous les présidents. Dans la composante judiciaire, nous avons juge dans le coup de cassation qui est impliqué. Nous avons complicité président pour des comptes. Et dans 4 mois qui se passent, on passe dans le coup d'appel qui a joué de complicité et tribunal de première instance. Et nous avons vu que le système judiciaire, c'est dans le même milieu à Saint-Pétionville qui est lié. Donc ça veut dire que nous avons clairement en vision de sa coalition d'assassins. Donc nous avons fait mettre le préfet à courir. Maintenant, pour y avoir un paquet d'erreurs qui ont fait, qui viennent permettre au peuple à être très clair qui est dans la coalition d'assassins. Pendant que pour y s'en mettre là, il y a essoufflé, pas gain l'air dans le poumon encore. Il y a beaucoup de ça, non, nous-mêmes, nous sommes en train. Peuple à lui-même, son marathon. Il y a pour 100 mètres, peuple à pour un marathon de 10 km.
Donc, ça veut dire que l'on va arriver entre fin mois de janvier et fin mois de mars, c'est le gouvernement assassin pays d'Haïti qui vous tombe, retourne vous. Radio Omega. Je vais vous dire que l'on va tomber là. Radio Omega. Je vais répéter encore. Est-ce que vous pensez que avec infrastructure de sécurité, Jean-Claude Duvalier était bien avec 400 000 VFM, l'armée d'Haïti et toute infrastructure de sécurité, elle était bien. Ou t'es jamais pensé que tu as pris 7 février 86, j'en étais bien là. Président Avril, malgré que il n'est pas impliqué dans un paquet de bagages, c'est que de l'intérieur, il n'y a pas. Est-ce que vous pensez que en 88, président Avril, t'as tombé, j'en tombé là? Ou est-ce que le pays d'Haïti, bon bagaille qui clair depuis 35 ans? Coalition d'assassins, pas carité sous pouvoir. Gouvernement qui gagne tendance, qui pas démocratique, pas carité sous pouvoir. Je dis à notre tête, tout le monde, coalition d'assassins qui là, pas carité retourner le pays à l'ordre constitutionnel, yo pas carité organiser l'élection libre. Et deuxième paragraphe, l'aide Daniel Foutlan dit clairement que c'est Ariel Henry qui a géré le gagné. Et même Daniel Foutlan dit, Ariel Henry va participer dans tous les présidents. Nous avons 18 obstructions à la justice Ariel Henry fait en 4 mois qui se passent à 18 obstructions à la justice que monsieur fait. Ça veut dire que monsieur clairement impliqué dans tous alors, les présidents. Alors, dans la déclaration le fait hier, il dit qu'il y a une tâche principale du gouvernement, c'est créer un environnement stable qui favorise l'organisation. Il y a une consultation populaire pour adopter une nouvelle constitution avec choix prochain élu pour gérer le pays. C'est déclaration Premier ministre Ariel Henry dans l'occasion discours investiture gouvernement la dirige. Dans feuille de route accord en septembre 2021 qui a couché nouveau gouvernement ça, nous joignons bataille contre le phénomène insécurité, organisation élection, adoption et l'autre constitution d'après Ariel Henry. La politique ça doit déboucher et mettre campé gouvernement. C'est pas une entente anti-zami, mais plutôt c'est un compromis entre un pile compatriote d'après Dr. Ariel Henry. Ouais, c'est Ariel Henry qui a parlé à cette libre dans la gardé dans la glace. Un peuple a connu que son coalition d'assassins qu'il gagne en patrie. Est-ce que des nègres qui des assassins et des présumés assassins qui ont organisé des élections libres dans un pays? Absolument non. J'ai obligé de voler l'élection pour protéger les assassins. Je ne vais pas organiser l'élection. Est-ce que mon coalition d'assassins qui a rétabli la sécurité? Les premiers ministres n'ont pas géré gang d'après un voie spécial. Quand on a demandé au centre de l'État, en plus, mon déroute ou son PHTK, mais je veux dire, constat. Il y a très acide envers Michel Martelly notamment. Puisque vous identifiez Michel Martelly et comme présumé assassin, ou bien assassin même, Jovenel Moïse Stendelika, puisque non seulement vous signez accord, et vous confirmez la Stendelika, c'est eux qui baillent ministre intérieur, c'est eux qui baillent ministre affaires étrangères, et vous confirmez c'est eux même qui baillent secrétaire général par le national là. Quand est Stendelika campé, puisque soit fait des glaces, ça, je parle en PHTK encore, j'ai un peu de monde déconné ou. Est-ce qu'on a Jovenel qui joue aujourd'hui? Quand on campé? Maintenant, tout est dit, ce que je toujours fait, toujours dit, je n'ai ni Jovenel ni PHTK. Qui sont les gens qui ont été mis non, je ne sais pas si ça m'a dit, je ne sais pas si je suis un PHTK. Même dans tout, dans toute interview, on fait, ou après que tout le monde signe une question, je voulais l'islam, ou après, non, pas là-dedans. Je connais, je connais Matéli, je connais Jovenel, les Matéli, pour entrer en campagne, je suis venu à Washington, je dis, je ne sais pas si ça m'a dit, est-ce qu'on a été? Je dis, ce n'est pas un problème, je fais plein de campagnes pour vous, je m'a fait deux dans le Les monsieur vin président me demande mettre mon cap ballon tout mais combat que m'a mené quel sous Matéli quel sous Jovenel moi commencer combat politique ça avant Matéli avant Jovenel Matéli pas même connaît et Jovenel pas même connaît tout t'as vin président l'aime te commencer combat ça l'équipe ancien dans combat ça avec moi en matière de vision moi même c'est Cyrus Cyber avec Pierre Raymond Dumas dans le nouvel parce que Pierre Raymond Dumas, dans la transition qui n'en finit pas, toujours qu'un B, un grain de boussole, combat pour la démocratie et le développement économique.
c'est combat ça qui m'a mené depuis 35 ans. C'est pour ça les nèg yo touyé Robert Marcelo en 2008. Ou après premier nèg qui commencé gourmer sous dossier Petrocaribea. Les ça pas gen moun qui pensait t'a gen Petro Challenger. C'était nous trois, c'était moi-même, c'était Steven Benoît. Et mon troisième mouni, et Pierre et mon Radio René, mon plaisir, qui nous touille, Robert Marcelo. Mm-hmm. Non, il touille Robert Marcelo pour être blackout. Mais ouais, laisse vous dire, c'est René, mon plaisir, c'est son plaisir. Lina, page 84, livre que les zombies phases, qui n'est qui responsable intelligence, le ministre a écrit, nous t'ai expliqué en détail, dans page 84, qui j'en René, mon plaisir, touille Robert Marcelo et enterré lui. Si je dis à vous de joindre Robert Marcelo, c'est René mon plaisir qui doit bailler. Il n'a pas 84, nek ministre, livre nek ministre écrit, lire les zombies phares, n'importe où, cal sur Amazon.com, $19.99. À qui ça, c'est ça? C'est pour faire politique ou bien c'est pour demander justice pour Robert Marcelo, puisque famille Robert Marcelo peut-être une nouvelle ça autour. Donc, moi-même, pour me répondre directement à la question et deuxième question que vous posez, moi-même combat depuis avant Matéli, avant Jovenel, son combat très clair qu'il y a pour la démocratie en Haïti et pour le développement économique. Ou après, pour démocratie, pas besoin qu'on ait dans qui camp politique koyé, m'a pro. C'est pour camp en face démocratie, m'a besoin qu'on ait dans qui camp politique koyé, m'a camp en face. Mais par contre, c'est un peu de défendre un camp. Non, on doit faire des choix tactiques et stratégiques, mais ça ne veut pas dire que c'est pas illégal pour ça. Et c'est pour ça, les Doval mourir ou après position, les Yotouye qui poussent ou après position, les Yotouye Robert Marcel ou après position, comment il est Navalas là qui ont détruit, ou même Navalas blié, l'Ovensky, même pas comme blié l'Ovensky, quel que soit le monde qui Yotouye à position de vous créer, faut qu'on y ait une justice. C'est pour ça moi-même, le combat pour la démocratie, et c'est pour ça le combat pour la démocratie qui m'a mené, on va être clair. Vous avez besoin de plus de courage pour combattre l'ennemi démocratique qui est en face. Mais on a besoin de plus de courage toujours pour combattre les gens qui sont dans le camp politique ou qui fait ça. Moi-même, c'est position, ça m'a mis la balade. C'est dans la balade, c'est les gens qui ont fait voler et puis les gens qui ont fait faire ça. Si on est dans le camp politique pour participer à tout le président, on ne peut pas rien dire avec vous-même. C'est ça, nous sommes complices à ça, c'est que nous président de la République de notre pays, ou pas qu'à entrer là, qu'à y retourner, ou mettre un tâche sans sous l'histoire pays à vie, pas que jamais passé. Tout côté de passé dans le monde, il y a plus de parler, nous, le président qui nous a détruit, pour nous garder comme ça. Et c'est pour ça que je dis à la coalition d'assassins qui monte là. Moi-même, ouais, non, 100 mètres qui n'est qu'à courir là, mais qu'on mette dans tout pouvoir, on mette dans tout espace, coalition, ça finit mal. Coalition, c'est notre culture peuple haïtien que lié. Parce que regardez, notre Simon Kaplevé qui n'a mis en peuple là, qui n'a pas province, qui n'a pas diaspora. Coalition d'assassins qui est en place là, il va représenter nous. Il va représenter valeur nous. Il va représenter tradition nous. Il va représenter aspiration démocratique et de développement. Ariel Henry, son assassin qui participe dans tous les présidents. Alors, je dis à la et Stanley Lucas, ou indexé Michel Matéli dans la mort Jovenel Moïse par rapport à position. Et changement qui fait dans des postes stratégiques s'ouvrir dans le gouvernement que tu es là. Est-ce que vous pensez que ça est capable de retarder justice pour Jovenel Moïse là, puisque vous parlez de Sami Andal, Paracios, Mario Paracios Paracios qui a arrêté Jamaïque, et nous connaissons trois policiers et des CPJ selon Gary Desrosiers qui étaient désignés pour aller chercher Sami Andal dans le pays Tiki. Est-ce que vous pensez que ça est capable de retarder, ça est capable de faire moun ça est pas venir répondre à la question de la justice en dans le pays? Et autogol pays qui n'est pas fait là, dans les derniers 48 ans, qui sont comme coup d'État, c'est un gros service que le pays a. Si nous avons tous les conseils de monde, tout est sorti. Par exemple, je m'en ai dit. Permettez-moi, je m'en réponds. Et non, ça n'est pas fait dans 48 heures qui se passent là, c'est un gros service qui a rien à la justice du pays. Si tu as un doute sur le négo par rapport à Jean Yotouye résident, tout doute ça va disparaître, quel que soit le monde. Parce que l'autre Roberto Dossé, avocat Dimitri Vob, qui participe dans tout le président. Non, là, regardez, tout le monde est là. Mais même, il y a un pile d'amis. Et il y a un ami
depuis hier qu'a crié. C'est malheureux comme si l'aile ouest comme si c'est pour moi qui besoin un homme Jovenel Moïse en main en un les jovenelistes. L'a crié. Mais ça Bertodo c'est son avocat. Il est avocat. Il a décidé non, non. C'est n'importe qui. Mettre Newton Saint-Just. Mettre Newton Saint-Just en face PHTK première version. Mais il décide à le défendre l'État haïtien dans le dossier Sojourner. Non, non, mais quand même, la famille Vob ou bien Sojourner, faut te gon avocat qui défend yo. C'est ça la loi dit, Sandy Lucas. Ok. N'a point ça, vous faites deux points. Attendez, on va essayer. On accuse Bertodor, c'est son autre dossier. Pas de problème, non? Si nous avons l'autre dossier, vinave. Mais comme avocat, il doit défendre n'importe quoi, cause livré. Ok. Moi, je n'ai pas un problème à ça. Mais il est le ministre de la justice de notre pays. Ce ministre de la justice était l'avocat de Sojourner et de Vop qui participait dans tous les présidents. Même Jean-Tour, Josué Pierre-Louis, qui est le secrétaire général Palais National, il était pour frère Jean-Joël Joseph qui participait dans tous les présidents. Pour l'histoire, pour la vérité, ma brave bleue, famille Pierre-Louis, pas de vle John Marie avec ça. Ah, mon cher, Coalition d'assassins, la prédon suite pour tout le monde qui touille président pour le renforcer. Mais côté de l'État, allé avec vous. Nous, nous avons un pays à un gros service dans le coup d'État, coup de force que vous faites. Dans le coup de force que vous faites, vous venez confirmer dans la conscience populaire, dans ça que vous faites, dans 48 heures qui se passent, que c'est coalition d'assassins, ça même qui touille président. Et dans l'installation coalition d'assassins, il y a une forme d'arrogance qui ne peut pas ici en raille. Ok, mon forme d'arrogance. Il dit oui, c'est nous-mêmes qui touillons le même. Et en plus, nous touillons le Jodia, nous venons cracher ce cadavre-là. Mais quoi, maman, mais quoi, papa, je suis capable de venir piler. C'est ça, autour là. Et que mon nom de pays a toujours pas le piler, quoi, n'est-ce pas? Par contre, qui l'est, non? Par contre, qui j'en le fait, non? Moi-même, connaissant la tradition de notre culture, qui existait dans la culture, ou est victime en dedans pays d'Haïti. Si tous les sont présidents qui victime, faut pas jouer avec conscience populaire. Je n'ai qu'à monter avec arrogance. Oui, c'est nous-mêmes. Parce que j'ai fait la ya, c'est nous-mêmes même qui tiennent. Donc, une tiennent, la craché ce cadavre-là, parce que c'est un petit chien que nous tiennent. Un petit nègre, non, et pas de paix que nous tiennent. Et notre tiennent président, c'est tout un. Bon, c'est ça, les racistes systémiques qui existent dans la société à afficher. Où est l'émancipation de nous dans le pays. C'est ça oligarque vous voyez dans l'installation coalition des assassins. Oligarque question Villadi, n'importe qui n'est nous, n'importe qui femme nous, tant que Jovenel, Claude Joseph, ou bien quel que soit non couvléa, qui vient paraître sous nous là, qui comprend qu'il vient changer le système ça pour l'émancipation de nous dans le pays, ça va faire. Mais quoi, maman, mais quoi, papa, je suis capable de venir piler. C'est ça la République de Bétionville, et ben nous là. Non, c'est un assassin qui est installé. Et c'est pour ça que je veux être politique la belle. Moi, je veux être politique qui est payé. Parce qu'elle met les tout unis. Conscience populaire vient plus clair sur qui est-ce qui touille le président. Les gens mènent 3-0, ils vont faire du match à 8-3. Définis 8-3. Allô? Oui. Vous dites que vous avez 3-0, vous avez dit 8-3, sauf les 10. Non, vous avez dit 8-3, 8-4, 8-5. Alors, son score imaginaire. Son score imaginaire. Oui, c'est ça, c'est son score imaginaire. Avec ce que vous avez dit, 600 mètres là, vous avez dit 2, 3, 4, 5 goals, il y a paquet. Mais non, non. Les 90 minutes de jeu a fini. Ce peuple a gagné, vous avez perdu le match. Et c'est ça, vous avez joué politique la belle. Parce que l'assassin n'est pas jamais loin. L'assassin est limite dans tout ça, la fait. Et c'est pour ça que c'est politique la belle à soi. Mais qui nouvelle stratégie n'y est là nous-mêmes, puisque je dis à là, nous déons pouvoir.
bon, moi-même. Mais dis-nous, équipe pour là, qui a défendu Jovenel Moïse, là. Non, mon cher, pas vrai, mais c'est Negio. Negio, c'est le peuple là qui est écarté dans la décision politique. Parce que les Negio, le peuple a fini de participer dans l'élaboration constitution avec commission indépendante. Constitution, son constitution qui bon, qui sont très bon. Ou alors, mettre l'ibaïnité, et yon les Jacques-Louis Matla, même les qui ont falsifié la constitution en 2009. Les parlements de Finamandel, c'est même les ou à remettre la constitution qui peut faire un travail ici, sous le Jovenel pour falsifier la constitution. Donc pour moi-même, les gens qui ont fait la Jean-Ariel a alimenté gang avec les skittles. Dans des vidéos, vite l'homme, il dit qu'il y a associé à lui-même, comme 400 Marozo. C'est même Ariel avec réseau ça qui fait kidnapper ces Américains. Yo. Pour yon forcer américain vin protéger Ariel pendant ce pouvoir, c'est eux-mêmes qui ont kidnappé ces Américains yo, parce que yon connaît Biden dans situation aux États-Unis. Après ça qui passe en Afghanistan, donc yon devait forcer, même Jean-Aristide, c'est vous et 30 000 et bot people pour te forcer Clinton vin en Haïti en 94. C'est jouet ça yon vine se rejouer, qu'elle pas marché, Américain a libéré sans pas gagner débarquement et prison otages américains en Haïti. Donc, je vois politique que nous avons joué là, avec la Chine, avec le Venezuela, avec Saint-Domingue, côté Ariel, à l'humilier nous devant Saint-Domingue, dans les Abina a demandé pardon. Culture politique haïtienne, devant l'histoire, n'est-ce pas fini? Ouais, l'histoire pays, n'est-ce pas fini? Ça que ça l'écrit sous yo, dans l'histoire de notre pays, n'est-ce pas fini, même? Quel enjeu de politique conjoncturelle là, dans trois, six mois qu'a fini, n'est-ce pas fini? Quel enjeu politique à long terme dans l'histoire pays, c'est ça au fini. Et pour te rentrer quand le président Wal touyel, Jean touyel là, et puis c'est peuple là qui marre mon qui touyel là, c'est au fini même. Son question de temps, c'est qui est là pour faire marron qui est, Magadou. Mais moi-même, dans mon cristal, où sont les deux bah, à l'avance, où sont les deux bien juillet, M. Dédou, Ariel Henry, il y a une question pour le répondre, et puis d'être fort, l'autre, il montre nous clairement où elle est. Alors, moi-même, je vais vous dire que Stanley Lika, où est-ce que vous êtes? Permettez-moi de vous dire ça. Nous sommes M. Dédou, Beto Joseph, et Beto Dorsey, depuis notre premier cabinet, c'est lui, Dimitri, qui voulait mettre comme ministre de la justice. Nous sommes M. Dédou, ça, vous mettez le temps, ça me dédou avant, ou est-ce que vous mettez le quand même? Nous, on était là, on est privé. Et conscience populaire, parce que nèg yo comprenn yo ka écarté peuple là dans décision politique. Tout bagay était paré pour que ni référendum ni élection se fête année ça, pour que deuxième lundi 2 janvier nous gain 51e législature nous 7 février nous te gain 51e. On brise mbab du qui est-ce qui bay Beto Dorsey dans gouvernement. Mbab du qui est-ce qui bay Beto Dorsey mbab. Ma entendance, moi même pas tempérament ça me défend qu'un monde sur la terre. C'est chaque monde assis mes akou. Même pas du qui est qui bail Beto Dorsey dans gouvernement. Faut choix. Puis de son l'autre monde qui dit même pas dit. Si me dit bon le baga au bral dit mais Beto Dorsey c'est Yves Abdoul Hassan de Lucas. Beto Dorsey son jeune garçon, son avocat. Qui gagne pile monde sous terrain le travail pour comme avocat. Il c'est avocat en bon client. Il vit des livres, attendez. Ou c'est un formateur, ou son formateur politique sans délicat. Ou former un bon monde, je dis à ou former des monde de gauche, ou former des monde de droite. Moi même gagne bon bagaille. Ou elle son intellectuel, ou intellectuel son monde qui fait exercice de l'esprit. Il y a des valeurs qu'il a défendu. Et c'est dans quatre valeurs, ça y est, on est dans le cabinet, et je vais te nommer le cabinet, moi, non, monsieur Monté. Moi, le monsieur, je dis monsieur comme ça, je vais pas non, non. Moi, le monsieur, je dis monsieur comme ça, je vais pas faire. Depuis longtemps, son aide m'a suivi, moi, je mets une position technique, moi, je mets un avenir pays dans le domaine coréen. Je dis monsieur, moi, je suis là pour me parler avec vous. Si ça a fait pour aller entrer dans la coalition d'assassins, on est valable pour vous. Monsieur dit, bon, non, bagay là, m'a brûlé l'eau, c'est pas un brûlé. C'est le cabinet à Pinte. Bon, parlez de qui est-ce? Oui, le cabinet à Pinte. Ah, je ne bon, non, nous avons deviné qui est-ce, mais pas bon, non. Non, pas bon. Pas là, même. Non, là, non, nouvelle bague de vignette là-dedans. Je dis, monsieur, regardez, il y a deux, trois mouns dans le cabinet qui nous connaissent, c'est des professionnels de haut niveau que vous. Moi-même, je suis venu à l'église, nous sommes venus à l'IPIA. Depuis que nous sommes dans la coalition d'assassins, même si nous ne connaissons pas participer dans le crime,
mais bon taxe ça parle sur nous. Moi même sont les connaître les nèg à l'avance qui dit. Radio Omega. Mais il y a des nèg devant pouvoir mais yo pas qu'on dit non. Moi même j'ai plusieurs présidents relèm qui offre qui dit m'y a pété dans cabinet me dit non merci. Demi la tata Saint-Pétionville qui prend trois pouvoirs l'État yo, nèg yo en 35 ans yo volé 560 milliards de gout kòp pèp la an dan l'État. Moi même pas m'pa ka rentre nan association avec oligak men. Donc monsieur nan moment pou le faire foi, c'est soit moi même ou bien oligak yo, monsieur choisi oligak yo. C'est toi quelqu'un. Moi même pou ça m'ta à l'aise avec Jovenel. Jovenel prend grand pèp la qui di a faire oligak, pa gen problème a Milat. Tout Milat qui veut travailler pour développement pays a fait kòp pays tak. Fait pays avancer, la collaborer avec eux, mais il a qui capturé l'État et qui parle de l'émancipation des Noirs et qui raciste sans avoir corrigé Kayo, nous sommes à l'aise avec eux. Et quel que soit président qui entre dans l'île, dans quel que soit camp politique, ça, de vous pour l'émancipation des Noirs dans le pays d'Haïti, pas de problème. De vous voulez Mila faire propre, et puis c'est Mila qui a investi dans le pays, Mila qui a créé le travail, qui a payé les taxes, non, mais Mila qui n'aime pas ça. Même plein Mila qui a mis moi, qui relève, qui content des positions que m'a pris. Moi même ça m'en a fait, c'est 6 groupes mille à 15 mille à assassins volés racistes qui bloquent le pays, qui pillent le pays, qui parlent de l'émancipation des Noirs. C'est en face de ce que je veux dire. Et c'est pour ça que je suis là, dans la radio. C'est pour ça que je fais formation. Alors, finissons le cas. Un nouveau secrétaire général dans la tête par le national. Est-ce qu'on va croire dans le jour qui vient, qui a payé, qui a gagné un président de transition? Monsieur, même j'ai toujours dit ça, je ne parle pas de Jolambert. Ou pas qu'à finir, je ne pas qu'à finir tout le président dans le pays pour nous mettre un président provisoire. Prochain président, si nous voulons respecter la volonté populaire, prochain président, 56e président, et peuple qui doit élu, même j'ai dit Jolambert. Et vous avez dit Jolambert, en tant que n'est capturé pouvoir, et sous le vigne chef de l'exécutif comme premier ministre,